Est-ce que tu vois le vin? Non. Alors rien n'est perdu. Tout le conseil est là. N'importe lequel d'entre eux peut être la voûte. Je te fais confiance pour trouver le vin. Je vais parler à chaque membre du conseil et tenter de le pousser à mentir. Même Yor? Oui, même lui. Si c'est lui la voûte, je ne le laisserai pas tuer tous ces gens. Yovina. Je t'ai entendu, mais accorde-moi une chose. Viens m'en parler avant d'agir. Très bien. Maintenant, allez parler aux membres du conseil. Je vais évaluer leur réaction à la mention du vin. Faravid, puis-je te dire un mot? Ah, Drengr. Si c'est pour renforcer mes troupes, la réponse est oui. Tu nous serais très utile face aux Pictes. Quand on me courtise, j'aime savoir à qui j'ai affaire. Es-tu un grand buveur? Ah, si c'est un défi, je le relève volontiers. Parfait. Je vais revenir avec du vin. Du vin? Allons, buvons plutôt de la bière. Cela permettra de déterminer plus facilement qui tient le mieux. Je vais évaluer leur réaction à la mention du vin. Cela me mènera peut-être à la voûte. Quelle bête exquise! Audun, tu as apparemment réussi à trouver des fonds pour cette fête. Tu dois être fier de toi. Ce n'est rien de le dire. Regarde ça. Je n'aurais jamais pu espérer un meilleur résultat. Le festin va bientôt commencer. Et ces gens vont en profiter comme ils le méritent. Il faut fêter ça. Je vais aller nous chercher du vin. Non, 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 non. Ce serait indigne. Ce vin est destiné aux habitants de Jørvik. Mais quand il sera là, n'hésite pas à t'en servir. Audun s'est vraiment surpassé. Oui, en effet. S'il continue ainsi, un avenir brillant attend le haut. Yor, qui était-ce? Te voilà. J'ai commencé à m'inquiéter. Ne t'en fais pas. Nous savons que la voûte est ici. Il fait partie du conseil. Tu en es sûr? Oui. Dès que je saurai de qui il s'agit, je lui planterai ma lame dans le cœur. En attendant, il est crucial que je puisse enquêter sans attirer l'attention. J'ai besoin de ton aide. Elle t'est acquise. Que veux-tu que je fasse? Bois, jusqu'à en perdre la tête. Comment? Pourquoi? Il me faut une diversion pour détourner de moi les regards. Le vin ne tardera pas à arriver. Bois trois coupes, puis fais l'idiot. Mais c'est indigne de ma fonction. Il faut trouver un autre moyen. Fais ce que je te dis. L'argent sera prêt dans les prochains jours. Merci. Je t'en prie. Rixidj. Ah, tu es venu te joindre à la fête. J'ai une mauvaise nouvelle. Le vin destiné à la fête est gâté. Naturellement. D'ailleurs, je m'y attendais. Je vais dire à mes hommes de le jeter. Il devrait en rester dans mes réserves privées. Je vais envoyer quelqu'un le chercher. Y a-t-il autre chose? Non, c'est tout. Profite de la fête. Je vais essayer. Oui, en effet. S'il continue ainsi, un avenir... Eivor, as-tu découvert qui est la voûte? Pas encore. Je reviendrai te le dire bientôt. Un avenir brillant attend le haut magistrat de Jørvik. Nous devons trouver la voûte. Sais-tu qui il peut être? Je crois que oui. Chaque membre du conseil m'a fourni une raison de le soupçonner, mais certains membres plus que les autres. Et qui est-ce, selon toi?
Aodun a plaidé pour cette fête, et cela depuis le début. C'est lui qui l'a préparée, ce qui veut dire qu'il avait accès au vin. Et il a aidé l'abbesse Ingeborg à collecter les textes chrétiens. Or, il se trouve qu'elle était la braise. Oui. Oui, tu as raison. Et pour le vin ? De tous les conseillers, lui seul savait que le vin n'était pas arrivé. Quand je lui en ai proposé, il a refusé, insistant pour qu'on le réserve aux invités. Pour ces raisons, je pense donc qu'Aodun est la voûte. Frères et sœurs, chers amis, bienvenue à tous. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter nos invités d'honneur. J'ai auprès de moi quelques-uns des seigneurs les plus respectés de Jørvik. Des hommes et des femmes qui ont servi la ville en ces temps difficiles. J'ai plaisir à vous dire qu'en ce jour où nous fêtons Yule, nous rendons aussi honneur aux nobles à qui nous devons le vin. C'est Aodun la vôtre. Il est trop tard pour eux. Nous devons saisir notre chance. Joignez-vous à moi pour célébrer nos succès et les vôtres à tout ce que vous méritez. Et bien plus encore. La peste. Et maintenant, aveuglés comme vous l'êtes par votre soif de plaisir et votre orgueil, je vais vous dire ce qu'est la noblesse. Une sentence de mort. Un nouveau monde fait d'ordre voit le jour. Et aucun de vous ne le verra. Mets les conseillers à l'abri. Je vais m'occuper d'Aodun. Va! Aodun, épargne ton souffle. Il va bientôt te quitter. Il y a où? Maudite flamme! Essayez de parer ces coups! Qu'espérais-tu gagner en agissant ainsi? Quelles richesses peuvent justifier tant de malheurs, et la mort d'hommes et de femmes d'honneur? Seul un esprit faible peut les qualifier ainsi. Ce sont des privilégiés, des fainéants, imbus d'eux-mêmes. Ils ont gâché leur talent. Je nous ai assuré le pouvoir par la richesse. J'ai contribué à l'avenir d'un ordre radieux. Aux dépens d'honnêtes gens, de marchands, de prêtres, de nobles. Eivor, tu te trompes. Ta cosmogonie primitive et barbare t'aveugle. 9 mondes dans un arbre, non. 9 fois 9000 mondes, et autant de soleils. 9 nuits suspendues à l'arbre en me sacrifiant à moi-même. C'est ainsi que le sage cherche la connaissance. D'innombrables sphères, attendant notre don, notre illumination. Je ne vis que dans un seul monde. Tu ne vis dans aucun. Yor, Yuvina, où sont-ils passés? Tiens-toi prêt. Je ne sais jamais.
échappe, toi. Tout va bien. Faravid et ses carles ont ramené Rixidj à la halle royale. Tout le monde est en sûreté. Audun, ce sale merde de Blornichard. M'importe. Je veux des réponses. Calme-toi, Seigneur Rixidj. Audun est mort. Ce n'est pas ça qui va me calmer. Je voulais moi-même lui arracher la tête. Mais si tu veux me calmer, parle. Audun s'était allié à une société secrète qui voulait s'emparer de Jorvik. Il avait l'aide de deux complices. Grigori, le maître des quais, et Ingeborg, l'abbesse. Et toi, Eivor, tu étais à la recherche de ces comploteurs dès ton arrivée ? Oui, mais cela ne devait pas se savoir. Ces gens peuvent atteindre n'importe qui, franchir les murs de n'importe quelle ville. À la manière des vers dans une pomme pourrie, ils auraient dévoré Jorvik de l'intérieur si on les avait laissés faire. Mais tu as évité ce désastre. Nous te sommes largement redevables. Sois sûr que le Jarl Halfdan en sera averti. Si la menace a disparu, tu as également ma gratitude. Je te dois la vie. Comme beaucoup d'autres aujourd'hui. J'aimerais te nommer haut magistrat honoraire de Jorvik, Eivor. Acceptes-tu ? C'est un titre qui sonne bien. Tu me fais honneur, seigneur. Tu l'as mérité. Alors, permets-moi de te dire que les tunnels situés sous ces rues contiennent une grande quantité d'argent. C'est vrai. C'est l'argent qu'extorquait le maître des quais. Que doit-on en faire, selon toi ? Sans ressources, l'armée de Faravid périra face aux Pictes. Il faut financer cette guerre. Donne aux hommes de Halfdan ce dont ils ont besoin pour renverser la situation. De quoi satisfaire Danois et Saxons. Ce n'est pas moi qui m'y opposerai. Alors il en sera ainsi. Yor veillera à ce que ton armée ait ce qu'il lui faut. Viens, Faravid. Aide-moi à mettre ce trésor à l'abri. J'ai grand besoin de marcher. Nous avons une maxime en Birmia. Seuls les morts ont le droit de se plaindre. Et nous sommes en vie. J'aurais bien quelques reproches à propos du roi et du trésor. Mais peu importe. Car tu as réussi, Eivor. Nous avons réussi. Peut-être avons-nous toujours été le moyen de préserver la Norvège de Harald.
Nous pouvons toujours l'être. Non. La Norvège est derrière moi. Et le reste de l'Angleterre bien devant. Il est temps que je parte. Attends. Si tu as besoin de nous, nous serons là. Une dernière chose. L'argent sur ton bureau a semé le doute dans mon esprit. Il faut que je sache. À quoi sert-il ? Autant oublier l'élément de surprise. J'ai demandé à un artisan de fabriquer un gage d'amour pour Yuvina. Un cadeau pour Yul. Petit filou. Je vais partir avant que vous ne fassiez honte au trône. Puissent nos chemins se recroiser, mon ami. Dans ce monde, ou le prochain. Tu repasses par Jorvik. Viens boire une bière avec nous. Je connais un endroit un peu plus loin. Il semble que le vent me ramène à Rannes.